Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'assortiment Halloween. Il est en boutique, il est en rayon, il est sur le site et il n'attend que vous pour être découvert. Alors, on a les habituels qui sont revenus, on a les petites décos, les sucrètes, donc vraiment les choses à saupoudrer comme les confettis, les sucrètes un peu plus grandes. On a les araignées bagues qui ont toujours beaucoup de succès, on a des emporte-pièces, plein d'emporte-pièces, on a des moules rigolos. On a encore des nouveautés qui doivent arriver. Je ne sais pas si je réussis à les mettre à la fin de cette vidéo, donc restez jusqu'au bout. Mais là, je vous montre le rayon, mais il pourrait y avoir encore 2-3 nouveautés qui arrivent vraiment cette semaine. Au niveau moule, moule à chocolat, moule à sucette, moule à bonbons, moule pour cuire en silicone, par exemple, de chez Silicomart, et on verra la nouveauté ici. Voilà, il n'y a plus qu'à choisir ce que vous voulez faire pour fêter Halloween ou juste pour faire un gâteau un peu différent d'unicorne mignonne, mais quelque chose un peu plus effrayant. Dans les nouveautés, je vais vous montrer. Voilà, on a des choses très sympathiques qui sont arrivées cette année. Donc, par exemple, vous faites un petit cupcake ou un cake pop tout rond. Vous posez ça dessus et c'est parfait. Ça, c'est plus des genres de choses à saupoudrer, justement, des confettis en sucre. Toujours dans l'idée du cupcake ou du biscuit rond, on décroche et on colle et c'est prêt à décorer. Et sinon, des décorations en glaçage royal, aussi plutôt la taille pour un petit gâteau ou pour des cupcakes. Au niveau emporte-pièces, on a ce joli kit de chez Décora qui permet de faire des sortes de biscuits miroirs mais avec des thématiques Halloween, la courge, le chapeau de sorcière et le fantôme. Et des nouveaux emporte-pièces à piston avec des têtes de crâne dessus. Pour le travail du chocolat, on a toujours cette série de premier prix super sympa à 3 francs. Là, on a d'autres thèmes, mais cette année, comme nouveauté, on a en tout cas les crânes, les courges, les fantômes. Chez Décora, on a aussi ces jolis petits crânes un peu plus 3D avec un peu plus de volume, toujours avec leur système pour donner un peu de volume dessous. Décora pour le chocolat, le moule pour faire la courge en 3D, la courge boîte, très sympa. Et les moules à cuire avec les différentes courges chat et momie. Voilà. Et finalement, ça c'est un moule à sucette. Alors, moule à sucette, moule à chocolat. Donc là, c'est pas le même plastique. Avec le plastique blanc, on fait bien attention, c'est jusqu'à 180 degrés. Donc on peut faire les bonbons dedans, au sucre chaud. Alors que ceux en plastique transparent, c'est plutôt jusqu'à 40-45 degrés. Donc c'est pour faire les formes en chocolat ou en enrobage. Si vous lavez ça déjà trop à l'eau chaude, ça va se déformer. Alors que ça résiste beaucoup plus à la chaleur. Une nouveauté qui n'était pas encore arrivée lors du film initial, il y a ces deux jolis moules en silicone qu'ils appellent moules pour bonbons Halloween. Donc des détails sympathiques. Et un moule en silicone qui va de moins 40 à 230 degrés. La même série, encore plus sympa, le moule cerveau. En silicone toujours, pour donc faire prendre à froid ou cuire, avec de beaux détails. J'essaierai aussi de vous montrer peut-être une, voire deux petites recettes rigolotes et faciles à faire pour des desserts Halloween effrayants. Et sinon, à vos fous et à bientôt en boutique ou en ligne.